Bonjour, pour tout vous dire, je suis en train de faire cuire le dernier clafoutis Mirabelle amande Mirabelle fraîche de la saison. Et il est en train de cuire et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas aller faire la sieste, je ne peux pas ci, je ne peux pas ça. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Un petit collage. Et en fait, j'ai pensé que j'avais rien fait d'autre en fait dans mon petit, tout petit mini. Et je me suis dit que ça serait sympa. Et puis, j'avais envie de venir faire, vous savez, c'est des cadeaux que m'a fait Angélique. Et en fait, alors je ne peux pas vous montrer les deux premières pages. Je vous montre juste une petite seconde. Donc, moi, j'avais fait celui-ci et celui-ci. Et ben, j'ai très envie, excusez-moi, tout d'un coup, j'ai plus de voix. J'ai très envie de venir faire une nouvelle page. Donc aujourd'hui, on va se faire deux pages de mini. Voilà. Alors, bah, décidément, est-ce que ma voix va revenir? Je ne sais pas. On verra bien. Sinon, il faudra vous contenter de ce que je vous propose aujourd'hui. Donc, on avait les réalisations faites par Angélique. Excusez-moi, je me suis rendu compte que peut-être vous ne voyez pas en fait. Je n'avais pas réalisé que c'était si petit. Et l'autre jour, après la vidéo, j'ai fait ah mais mince! Voilà. Et il y a la première, vous savez, double page. Oh là là, c'est beau. Que j'ai fait l'autre jour avec vous. Et la voici. Donc là, je n'ai pas encore réfléchi à hein, ce que je voulais faire. Il y a juste une chose que j'ai envie de faire, en fait, c'est avec des chutes de papier. Bon, vu l'album, je pense que je n'aurai pas de problème pour trouver quelque chose qui va avec. Et donc, comme d'hab, alors je vais sortir quelque chose que ça fait longtemps. Sortir quelque chose, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. C'est mon tiroir à trésor. Vous avez la boîte et vous avez le tiroir. Excusez-moi, je suis désolée, je n'ai plus de voix là. Mince, mince, je n'ai plus de voix, je vais être obligée d'arrêter les vidéos. Oh là là. Oh tiens, ça c'est une chute. Et si on partait avec ça? C'est la première chose qui m'est tombée sous la main, à la limite, pourquoi pas. Alors, on va voir au niveau de la taille, parce que c'est tellement énorme cet album, qu'il faut bien viser quand même, hein. Pas se tromper. Alors, au niveau de la largeur, on est plutôt pas mal. La hauteur, pardon. Et au niveau de la largeur, on est bien aussi. Chaque fois, je devrais faire. Voilà. Allez, ça y est, c'est parti. On va peut-être regarder par ici. Oh, j'aime bien ça. Vous savez, ce rouleau d'écriture. Ah, il y a un petit morceau de plastique en dessous. Allez. En plus, on est bien dans les tons de ce que j'ai déjà fait. Et pourquoi j'ai plus de voix? Voilà, donc on a ça maintenant. Est-ce que je vais trouver quelque chose de joli? Non, mais je ne vais pas mettre du moche, hein. Je vous l'ai déjà dit, on essaie de se concentrer. Je suis trop contente, je viens de finir le tuto de l'album pour les ACC. C'est pas facile hein, de faire un tuto hein, comme ça. Hein. J'en avais encore pas fait, j'en avais fait des tutos, mais pas tout à fait ça. Mais je suis en tout cas super contente du résultat. Et en tout cas, je me dis que j'ai un nouvel album. Et regardez, j'ai même ça en petite chute. C'est parfait. En plus, elles sont tellement jolies. En tout cas, je suis très contente de l'avoir fait et j'ai hâte de voir si, bah, s'il y en a qui vont avoir envie de le faire et surtout de pouvoir l'utiliser pour venir ranger mes ACC. Oh mince, je suis en train de penser que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Bon, bah, il faudra que je rajoute un petit message et je viens d'assembler les vidéos. Oh, quelle cruche! Le truc, c'est qu'en fait, moi, je vais les coller mes ACC avec ça. Vous savez, les doubles scotch, les doubles faces, petit scotch spécial photo. Allez, on se concentre. Je suis en train de faire ça. Je vais venir mettre ça et regarder. J'ai vu quelque chose d'autre sur le côté qui va être sympa. Allez, je prends déjà ça. Si j'y arrive. Peut-être que du bon côté, ça ira mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bah voilà, comme quoi, hein. Hop, regardez, je vais venir le mettre ici. Alors, vous avez vu, hein, c'est un parfait hasard de ce que j'avais. Et regardez ce que j'ai ici, c'est ça. J'ai une petite ligne d'écriture comme ça. Mais écoutez, je vais venir la découper et je vais en plus laisser les petites décos qu'il y a sur le devant. Et je vois que sur la chute, il y a également d'autres petites décos. Allez, on se fait plaisir. Une petite création.
toute mignonne dans ce tout petit. J'en avais tellement envie. Merci, merci de ce magnifique cadeau, de ces magnifiques cadeaux. Comme ça. Et je vais venir coller ça, si ça veut bien m'obéir, comme ceci. Là, bon, c'est un peu trop grand, hein, évidemment. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper comme ça. Et j'ai quand même envie de l'utiliser. Donc, je vais venir le positionner ici. Et en fait, vous voyez, il y a des petites choses ici. Regardez, c'est... Oh, mais regardez, il est adorable, c'est un petit poisson. Ah, mais c'est génial. Et en plus, il a ses petites bulles. Et il y a des petites étoiles. Oh là là, je me souvenais pas qu'il y avait ça sur le rouleau. C'est génial. Vous voyez comme quoi la vie, parfois, elle est bien faite. Elle nous fait de belles surprises. Et regardez, je vais venir le mettre ici, mon petit poisson. Et il a une place toute trouvée. Si vous êtes sage, je vous montre à la fin. Mais attention, si et seulement si vous êtes gentil. Je ne suis pas sûre pour tout le monde, je ne veux citer personne, mais Anita, ça suffit maintenant. Hein, hop, je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre plutôt... Ouais, je vais le mettre comme ça, voilà. Et voilà. Et voilà cette toute petite mini-page dans un tout petit mini. Allez, on va passer à la taille au-dessus. Hein. Soyons fous, soyons fous, soyons fous. Alors là, j'ai pas vraiment d'idée. Enfin, j'avais une chose que j'avais envie de faire que j'avais pas fait depuis longtemps. Je suis désolée, j'ai plus de voix. Je suis sorry, sorry, sorry. J'avais envie de venir utiliser des étiquettes, mais vous savez, arrêtez de les coller tout alignées comme je fais d'habitude. Là, je suis en train de voir que j'ai ça. Et je me dis, est-ce que ça serait pas sympa? Je ne l'avais pas vu, hein, je n'ai pas repéré, je l'ai là. Et est-ce que par hasard de venir mettre des étiquettes et de laisser... excusez-moi. Juste un morceau qui dépasse, ça ne pourrait pas être sympa. Allez, au lieu de réfléchir 107 ans, je vais me lancer. Le but, c'est de se lâcher, de ne pas nécessairement réfléchir. Juste de faire en fonction de notre instinct, nos goûts. Et les goûts, c'est personnel. On ne peut pas plaire à tout le monde. L'important, c'est d'être en phase avec ce qu'on est et avec soi-même. Allez. Hop. Voilà. J'arrête de parler parce que vu l'état de ma voix, voilà. Et en fait, vous voyez, ce que j'aimerais bien venir faire, c'est par exemple venir la mettre comme ça. Faut que je retrouve, j'arrive pas à retrouver les aiguilles que j'utilisais normalement pour cette colle. Et vous voyez, ce que je voudrais, c'est faire ça. Vous avez compris ce que je veux faire. Je vais venir après la découper ici. Et en fait, vous vous en doutez, ce que je veux, c'est venir la mettre autre part. Comme ceci. Alors, ça m'embête. En fait, j'aurais dû plus la monter. Je vais voir si je peux la décoller. Je veux pas qu'elle soit parfaitement alignée. Vous voyez, je veux qu'il y ait quand même un petit effet de décalage. Ah ! Ah bah oui, bah, j'avais pas mis assez de colle. Voilà. Comme ceci. Allez, on va continuer à chercher s'il y a d'autres... Bah oui, mais vous voyez, ça fait parfaitement aligné, en fait. C'est pire. C'est pire, c'est débile ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave. Il y a des fois, franchement, il y a des fois. Allez, j'ai celle-ci aussi. Je vais regarder ce qu'il y a d'autre. Ah, regardez, j'ai ça, en fait, c'était là, triste, malheureux. Ouh, ça, écoutez, ça tombe bien que j'ai ça, je vais prendre les mesures. J'ai besoin pour quelque chose, je vous dirai plus tard, peut-être, si vous êtes sage. Je ne suis pas sûre, mais on verra.
Qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Ça, c'est la fée du scrap. Oh, mais regardez, je ne savais pas que j'en avais plein d'autres ici, mais ils viennent d'où? Vous souvenez-vous d'où ils viennent? C'est super, il n'y en a pas assez par rapport à ce que je veux, mais je pourrais en refaire derrière, donc c'est nickel. Oh, bah j'ai même retrouvé des trucs comme ça. Parfait. Vous voyez, c'est une journée merveilleuse. Bon, dans ces tons-là, c'est tout ce qu'il y a. Je vais venir détourer. Alors ça, j'en ai besoin parce que j'ai une idée par rapport à ça. Ça, je peux l'enlever. Hop, voilà, voilà. Allez, on s'amuse, on va venir détourer de l'étiquette. De l'étiquette. Là, pour une fois, on est dans les tons de gris. Est-ce que je ne viendrai pas mettre une touche de couleur à la fin? Je ne sais pas. Ce sera plus facile si je fais comme ça. Qu'est-ce que vous faites en ce dimanche? Oui, nous sommes dimanche. Alors, nous, chez nous, il fait un temps absolument magnifique. Je suis super contente. Si j'avais su, c'est aujourd'hui, j'aurais dû faire mes lessives et pas hier. C'est pas grave. D'ailleurs, j'en ai encore une autre à faire, mais j'ai la méga flemme. Donc, c'est ballot, mais je ne sais pas si je vais la faire. Il faudrait que j'attende qu'elle tourne. Et puis après, il faudrait que j'attende pour l'étendre. Bref, j'ai envie d'aller faire la sieste cet après-midi, vu que j'ai pas mal de retard de sommeil, on va dire. Pourtant, hier, je me suis endormie super tôt. Mais bon, comme quoi. Enfin, super tôt. C'était pas non plus 9h du soir. Hein. Pas exagéré. Voilà. Je vous rappelle qu'il y a toujours le concours si vous n'êtes pas inscrit. Le but, c'est que vous vous inscriviez. Ça me ferait plaisir. J'ai vu quelques retardataires là, c'est inscrire. Mais allez, allez, venez vous inscrire. Hein. Je compte sur vous. Vous avez encore une semaine. Là. Il suffit de mettre « Je participe ». Voilà. Et dès que j'ai enregistré votre participation, vous avez un petit cœur. J'essaye de ne pas commenter. Alors, il ne faut pas me mettre, s'il vous plaît, plusieurs commentaires sous les vidéos concours parce que ça m'évite de faire des confusions dans l'enregistrement des participants. Je dis ça à la personne qui s'est amusée à me laisser 10 commentaires sous la vidéo. Je pense qu'elle se reconnaîtra toute seule. Non, je rigole. Les 10 commentaires avec grand plaisir sous une autre vidéo. C'est tout, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je sais que vous adorez me torturer. C'est pas parce que j'aime le faire qu'il faut me copier. Hein, ça suffit maintenant. Alors, comment je vais le mettre, lui? Je vais venir le mettre comme ça. Voilà. Allez, on continue. Hein. On continue. Et cette fois-ci, je vais essayer de ne pas le mettre pile poil. L'autre morceau. Alors. Hop. Hop. Voilà, comme ceci. Décalé un petit peu. Je vois l'étiquette. Je la coupe. Je ne sais pas du tout où je vais après. Hein. Donc, tout ce que je sais, c'est qu'on y va. Non, je ne veux pas que ça soit là. Et je fais exactement la même bêtise. Je vais la mettre comme ça. Je ne vais pas la mettre droite. Enfin, bien... Vous voyez ce que je veux dire. Vous m'avez compris. Comme ceci. Voilà, on continue de venir découper. Comme ceci. Allez, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On a ça ici qui, je pense, pourrait être mignon posé comme ça. Mais en fait, là, j'ai envie de venir mettre autre chose. Je vous explique, vu que je les ai sous les yeux. J'aimerais bien venir mettre ou une lettre... ou deux lettres, ou... Et si je mettais un titre? Vous voyez, par exemple, quelque chose comme ça. Light. Et la lumière fut. Oh oui, c'est beau. Donc, il y a celui-ci. Je regarde dans les autres. Hein. Vous m'excusez, je prends le temps
je prends le temps. Destiny. Oh, Sweet Fathers. Gentil avec les autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me paraît bien. Un exemple à suivre, être gentil, bienveillant, positif. On est tous comme ça, non? Ouais, je pense. Allez. Comme ceci. Est-ce que vous avez regardé la cérémonie de clôture, la remise et tout? Alors moi, j'ai pas tout vu, j'en ai vu qu'un petit morceau. Mais ça avait l'air absolument génial. Et la cérémonie du soir, alors là, j'avoue que pour le coup, j'ai un peu zappé. Je me suis un petit peu écroulée quand même. Mais vous, est-ce que vous avez regardé? Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vais voir, je vais bien trouver des replays pour regarder. Mais voilà, ça a été tellement 15 jours fantastiques. Et après, la deuxième partie aussi géniale. Vraiment, un mois d'août, un mois de septembre, là, pouf! Exceptionnels qui font du bien. Alors par contre, ce que je vais faire, vous voyez, je vais voir si j'y arrive. Je vais soulever ici et je vais reprendre ce que j'avais fait initialement, c'est-à-dire de venir poser ça en quinconce un peu, enfin emboîter dessus et venir refaire mon collage. Ah bah oui, mais non. Ah bah oui, mais non. Bon voilà, finalement, ça se passe bien. Allez, emballer, c'est pesé. Qu'est-ce que je vais venir mettre d'autre? Je ne vais pas m'arrêter là, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Alors, j'ai envie, mais il faut que je les trouve. Alors, je vais essayer quelque chose, je ne suis pas sûre du rendu. Excusez-moi. Vous savez, j'ai ce rouleau-là. C'est très doux, c'est très... très délicat, très... Il y a celui-ci et il me semblait que j'en avais un autre. Alors, qu'est-ce que je pourrais... Ah, mais j'ai ça qui est mon préféré, qui est magnifique. Je l'adore et j'aimerais bien en avoir un autre exemplaire. Bah écoutez, ça me semble top, non? Ou alors je mets ça comme ça. Lequel je fais quelque chose d'un peu comme ça. Non, ça ferait un peu tordu. Ah, et ça. Comme ça, avec les petites fleurs autour. Ah, bah je vais prendre celui-ci. Allez, alors, quelque chose que je voudrais essayer. Je l'ai sorti. Alors, je n'avais pas prévu de faire ça. Pas de le faire maintenant. C'est ça, vous savez, que j'avais acquis il y a longtemps. C'était un kit, vous savez, avec... La personne se reconnaîtra quand je vais parler d'elle. Avec la spatule pour congélateur. Et en fait, ça, je ne l'ai pas utilisé parce que je trouve que c'est... Alors, je pense que c'est un coup de main à prendre. Hein. Mais c'est délicat de voir où on se situe, en fait, parce que la mine ne sort pas assez. Mais apparemment, ça a l'air de couper super bien, ce truc. Et donc, je me dis que c'est peut-être le moment d'essayer. Alors, sincèrement, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée de faire le test là-dessus. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Hein. Je me suis lancée. On va voir... Ouais, c'est pas évident en fait. Allez, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça a coupé ou pas? Oui. Non. Je ne sais pas. Peut mieux faire. Alors, attendez, je vais venir finir avec les ciseaux. Ça sera plus simple. Puis surtout, je vais avoir un joli rendu sur ma page. Et j'adore la nuance. Ce rouleau est magnifique. Et je crois que j'en ai pas un autre d'avance. Et ça, ça fait partie des achats. Enfin, en même temps, si on a tout en double sous prétexte qu'on l'aime, on va jamais s'en sortir. Ouais, calme-toi, calme-toi, calme-toi.
Voilà. Oh là là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, j'aime bien. Allez, ça change un petit peu. C'est sympa. Et surtout les tons. J'avais pas du tout pensé partir là-dedans. Et en fait, c'est très, très, très... Enfin, j'aime bien. Voilà. Alors là, ça dépasse un petit peu. Comme ceci. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je n'ai pas nécessairement envie d'aller plus loin. Vous savez, c'est l'ensemble que j'avais eu avec ça. Alors ça, c'est pas mal, mais vous voyez, la lame, elle est vraiment, vraiment super courte, super dissimulée. Franchement, pour la repérer, il faut quand même être doué. Hein. Donc peut-être qu'il faut s'entraîner. De toute façon, c'est comme tout, hein, c'est la pratique, on prend les coups de main après. Mais voilà, là je plaque bien, ça rendra mieux. Eh bien écoutez, une page de plus, je continue à vous raconter l'histoire comme me l'a suggéré Angélique. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Je vous remontre la première petite page dans le mini-mini avec le petit poisson rose. Et cette page-là, voilà. Merci, à bientôt. Au revoir.